Oh love. Oh life. Not life. But love in death. Ivan Kalyaev, alias Yannick. Dora Doulebov. Boris Anenkov. Stepan Fedorov. Alexis Voinov. C'est lui. Quel bonheur, Stepan. Bonjour, Dora. 3 ans déjà? Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement, une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stepan? Là-bas? Le bal? On s'en évade. La liberté est un bail, aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef bohème, et je t'obéirai. Assis-toi, Stepan. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Je ne suis jamais fatiguée. Tout est-il prêt, Boria? Depuis un mois, deux des nôtres étudient les déplacements du Grand-Duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweitzer, que tu remplaces, travaille avec elle. Il a été tué? Oui. Comment? Un accident. Ensuite? Ensuite, nous verrons. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voinov en Suisse. J'ai confiance en lui, malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick? Yannick. Kalyaev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui. Il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Stepan! Bonjour. Tout s'est bien passé, Alexis? Oui. As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Je puis maintenant le dessiner. Regarde, des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces deux croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Les mouchards? Il y en a beaucoup. C'est Yannick. Ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Yannick, voici Stepan qui remplacera Schweitzer. Sois le bienvenu. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Oui, je la reconnaîtrai entre 1000. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche est ébréché. Et les mouchards? Nous sommes de vieux amis. Ils m'achètent des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé leur renseignement? Le Grand-Duc ira 7 semaines au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tes yeux sont toujours tristes. Il faut être gay, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait, j'aurais espéré un éternel été. Oh, Dora, tu te souviens de ces vers? Tu souris, comme je suis heureux. Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Voinov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la première bombe. Non, Stepan. Les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que cela signifie pour moi. Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, et je vais attendre ici. Qui lancera la première bombe? Moi! Voinov lance la deuxième. Toi? Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience? Tu sais très bien qu'on la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite... Personne ne l'a jamais lancée deux fois. Il faut une main ferme. Quoi? Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai? Comment peux-tu le croire? Et même si ma main tremblait, je connais un moyen à coup sûr de tuer le Grand-Duc. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi.
tu dois te préserver. J'obéirai, Boria. Quel honneur. Quel honneur pour moi. Stéphane, tu seras dans la rue pendant que Alexis et Yannick guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendront ici. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Oui, je l'abattrai. Le grand-duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut. D'abord le grand-duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faut imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane! Oui, je suis brutale. Mais pour moi, la haine n'est pas en jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas. Tu changes les signaux, tu dis des vers. Et maintenant, le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie, je ne m'ennuie pas. Je suis entrée dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie. Mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer, si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Alors que fais-tu donc parmi nous? Je suis venue pour tuer un homme, non pour l'aimer, ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifiée en une nuit, et pour toujours, il y a 3 ans, au bal. Assez. Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres. Tourné vers l'exécution des tyrans, pour la libération du pays. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer. Viens, Stéphane, nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien, Stéphane a souffert, je lui parlerai. Il m'a offensé, Boria. Qui a-t-il? Nous nous sommes heurtés. Déjà, il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Je suis triste. Je sais ce qu'il pense. Schweitzer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. J'aimerais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Et me trouve un peu fou, trop spontané. Pourtant, comme eux, je crois à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être taciturne, dissimulée, efficace. Seulement, la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr, mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule? Oui. Qu'as-tu, Dora? Eh bien, au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Une seconde à peine. Une seconde? Une seconde où tu le regarderas. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l'oreille ou sourire joyeusement. Qui sait? Il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là... Ce n'est pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Bien sûr. Bien sûr. Il faut tuer le despotisme. Je préparais la bombe et, en scellant le tube, tu sais, au moment le plus difficile, quand les nerfs se tendent, j'aurais cependant un étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc, et ce serait moins facile si, pendant ce temps, il était assis devant moi. Toi, tu vas le voir de près, de très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi? Fermeras-tu les yeux? C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Dora. Oui. Je le tuerai! Ils sont en place! Stéphane a allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi, sois patient. Et les bombes? Assieds-toi. Nous ne pouvons plus rien faire. Ta place est ici, tu es le chef.
Comme tu es calme. Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous. 2 ans que je fabrique les bombes. 3 ans que j'ai peur de cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'avais le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois? La vie brillante, les femmes. Oui, j'aimais les femmes. Ces nuits qui n'en finissaient pas. Écoute! Non. Ce n'est pas lui, mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris. Stéphane fait un signe. C'est lui. Dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Lalette aurait déjà lancé sa bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre. Et Alexis, regarde. Stéphane revient sur ses pas et court vers le théâtre. Voyons, vite. Alexis, vite, parle. Je ne fais rien. J'attendais la première bombe. J'ai vu la voiture prendre le tournant et rien ne s'est passé. J'ai cru qu'au dernier moment, tu avais changé nos plans, j'ai hésité et puis j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick? Je ne l'ai pas vu. Le voilà. Frère, pardonnez-moi, je n'ai pas pu. Ce n'est rien. Que s'est-il passé? Ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible. Laisse-le. Tu n'es pas le seul, Yannick. Tu vas être sûr non plus, la première fois n'a pas pu. Yannick, tu as eu peur? Peur? Non. Alors? Il y avait des enfants dans la calèche du Grand-Duc. Des enfants? Oui, le neveu et la nièce du Grand-Duc. Le Grand-Duc devait être seul. Il y avait aussi la Grande-Duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Par bonheur, les mouchards n'ont rien vu. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants surtout. As-tu déjà regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie. Je te le jure. J'ai couru vers elles. C'est à ce moment que je les ai vues. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide, comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade. Je n'ai pas vu la grande duchesse, je n'ai vu qu'eux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère, regarde-moi, Boria. Je ne suis pas un lâche, je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas. Tout est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux, et dans ma main, ce poids terrible. C'est sur eux qu'il fallait la lancer. Ainsi, tout droit. Non, je n'ai pas pu. L'organisation t'avait commandé de tuer le Grand-Duc. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu pour que personne ne puisse hésiter sur ce qu'il avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Bon, Alexis? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick. Mais je ne suis pas sûre de moi. Dora? J'aurais reculé, comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature! De terribles dangers courus et évités! 2 mois perdus à jamais! Égor, arrêté pour rien! Ricob, pendu pour rien! Et il faudrait recommencer. Encore de longues semaines de veille et de ruse. De tensions incessantes avant de retrouver l'occasion propice. Êtes-vous fou? Dans 2 jours, le Grand-Duc retournera au théâtre. Tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là,
la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier pour qui tu luttes refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut. Et jusqu'à ce qu'il comprenne. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit, dit. Moi, Dora. Tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est entendu de ce qui peut servir notre cause. Des enfants! Vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces deux-là. Des milliers d'enfants mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim? Moi, oui! Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants ne mourront plus de faim. Cela, déjà, n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre. Il y a des limites. Il n'y a pas de limites. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de deux enfants? Vous vous reconnaîtrez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans vos droits. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, si jamais il s'installe, fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier, si justice est faite, même par des assassins, toi et moi, nous ne sommes rien. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole de pain, que de quoi vivrait-il donc, sinon de justice? De justice et d'innocence. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. Stéphane, personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc, mais je répéterai que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers et nous avons choisi de l'être. Non, j'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick, Stéphane, assez. L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Le voilà! Pardonne-moi, Alexis, j'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatiguée, voilà tout. Boria, je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Qu'y a-t-il? Je ne pourrais pas la lancer. J'ai peur et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais joyeux et fort. Quand tu es parti, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit, allons, plus qu'une minute. Je serrai les dents. Tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. La calèche est arrivée sur moi. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisi. Et tout d'un coup, je me suis sentie faible, comme un enfant. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Je suis pas faite pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités, la propagande. Les risques sont les mêmes. Mais il me sera moins difficile de mourir
que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras et de décider d'un moment où je précipiterai ces deux vies dans les flammes. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je ne pourrai pas les regarder en face. Mais tu leur parleras. Je leur parlerai. Dis à Yannick que ce n'est pas de sa faute et que je l'aime, comme je vous aime tous. Qu'y a-t-il? Voynov ne lancera pas la bombe. Il est épuisé. Ça ne serait pas sûr. C'est de ma faute, n'est-ce pas, Boria? Il te fait dire qu'il t'aime. Je prendrai la place de Voynov. Stéphane, tu me remplaceras pendant le temps qu'il faudra. Viens, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal, beaucoup de mal. Il reviendra. Pourquoi es-tu si triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison. Ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait et le courage. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. Plus loin, il y a l'amour. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Mais c'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Peut-être, à certaines heures. Pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose, s'il peut cesser d'être un monologue. J'imagine cela, vois-tu? Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Si l'on pouvait oublier, ne fût-ce qu'une heure, l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec la tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur? Ou au contraire, avec la flamme de la vengeance et de la révolte. Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu, légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Yannick! Tout de suite! Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, pas adieu. Au revoir. Nous nous retrouverons. Au revoir. Comme une marche droite, j'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces 2 mots, la haine. Prononce-les. La haine. C'est bien. Yannick l'est prononcé très mal. Je comprends. Tu me méprises. Es-tu sûre d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour. Mais moi, je n'aime rien et je hais. Oui, je hais mes semblables. Qu'ai-je à faire avec leur amour? Je l'ai connu au bagne voici 3 ans. Et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Regarde! Où trouverai-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux que de ne rien sentir. Le grand-duc va passer. S'il est seul. Yannick a réussi! Réussi! Au peuple! Aux joies! C'est nous qui l'avons tué! C'est nous! C'est moi qui a voulu tuer le grand-duc. Comment t'appelles-tu, frère? Foka. Tu es condamné? Il paraît. Tu avais faim? Qu'as-tu fait? J'avais soif. J'ai tué moi aussi. J'ai tué le grand-duc Serge. Reste! Que t'es...
doit être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? C'est moi qui prends les condamnés. N'es-tu pas forçat, toi aussi? Justement. Ils m'ont proposé de faire ce travail, et pour chaque pendu, ils m'enlèvent une année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Oh, ce ne sont pas des crimes, puisque c'est commandé. Et puis ça leur est bien égal. Et combien de fois déjà? Deux fois. Tu es donc un bourreau. Eh bien, toi? Laisse-nous. Bonjour, vous ne me connaissez pas. Laissez-moi me présenter. Vous ne dites rien, je comprends. Je vous ai envoyé Foka. Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? C'est bon de revoir des visages après les jours, non? Tout dépend du visage. Mon visage vous déplaît? Oui. C'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Assez! Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Je vais être froid avec vous. Vous m'intéressez. Et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez au moins, je ne suis pas votre ennemi malgré les apparences. J'admets que vous avez raison dans ce que vous pensez. Sauf pour l'assassinat, l'accusation qui pèse... Je l'ai trouvé. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Il y a eu mort d'homme. Et quelle mort! J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie et non sur un homme. Sans doute. Mais c'est un homme qui l'a reçu. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue la tête. Et quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Bon. Je voulais vous dire simplement que si vous vous obstinez à parler du verdict, à dire que c'est le parti, et lui seul, qui a jugé et exécuté que le grand-duc a été tué par une bombe et non par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Supposez pourtant que nous en revenions à l'évidence. Supposez que ce soit vous qui avez fait sauter la tête du grand-duc. Tout change, n'est-ce pas? Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais où vous voulez en venir. Vous cherchez un point faible et vous attendez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir. Vous n'obtiendrez rien. La grâce pour vous et vos camarades. Les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mes frères vous répondront avant peu. Encore un crime! Décidément, c'est une vocation. Allons, ma mission est terminée. J'ai le cœur triste. Mais je vois bien que vous tenez à vos idées, et je ne puis vous en séparer. Au revoir. Pourquoi, en ce cas, avoir épargné la grande-duchesse et les neveux? Ceci ne vous concerne pas. Vous croyez? Moi, je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer un grand-duc, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors, une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu'on tue un grand-duc? Ne me répondez pas. Vous répondrez à la grande-duchesse. La grande-duchesse? Oui, elle veut vous voir. Et j'étais surtout venue pour m'assurer que cette conversation était possible. Elle l'est. Elle risque même de vous faire changer d'avis. Là, voyez-vous, c'est sa spécialité. Que voulez-vous? Regardez. Beaucoup de choses meurent avec un homme. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Je désire maintenant être seule. Non. Il me reste à te regarder aussi. À qui parler du crime, sinon au meurtrier? Quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Tous les grands hommes prennent le même ton pour parler de la justice.
Il disait « Cela est juste !» et l'on devait se taire. Il se trompait peut-être. Tu te trompes. Il incarnait la suprême injustice, celle qui fait gémir le peuple depuis des siècles. Pour cela, il recevait seulement des privilèges. Si même je devais me tromper, la prison et la mort sont mes salaires. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Rien ? C'est vrai. On t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je comprends. Cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur une civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang ! J'avais une robe blanche. Il fallait me tuer avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'épargnais, mais les enfants qui étaient avec vous. Je sais. Je ne les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux du grand-duc. N'était-il pas coupable comme leur oncle ? Non. Les connais-tu ? Ma nièce a un mauvais cœur. Elle refuse de porter elle-même ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste ? Elle est injuste. Lui, du moins, aimait les paysans. Il buvait avec eux. Et tu l'as tué. Certainement. Tu es injuste aussi. Ceci est inutile. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer. Vous n'y réussirez pas. Laissez-moi. Ne veux-tu pas prier avec moi ? Te repentir ? Nous ne serons pas seuls. Laissez-moi me préparer à mourir. Si je ne mourrai pas, c'est alors que je serai un meurtrier. Mourir ? Tu veux mourir ? Non, tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. Ne l'as-tu pas tué ? Dieu te justifiera. Quel Dieu ? Le mien ou le vôtre ? Celui de la Sainte Église. Je refuse ! Je ne sens pour vous que de la compassion et vous venez de toucher mon cœur. Maintenant, vous me comprendrez, parce que je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Dieu réunit. Pas sur cette terre. Mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens. Le nez au sol. Toujours flairant, toujours déçu. Je le saurai bientôt. Mais ne peut-on déjà imaginer que deux êtres renonçant à toute joie s'aiment dans la douleur sans pouvoir s'assigner d'autres rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on imaginer que la même corde unisse alors ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous en avez jamais permis d'autres. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je l'ai compris. C'est pourquoi je vous pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait. Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Mais je suis venue ici pour vous ramener à Dieu. Je le sais maintenant. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non ! Non, je vous le défends ! J'avais besoin de vous. Vous m'en voyez ravie. Pourquoi ? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Écoutez bien. J'ai facilité cette entrevue avec la grande duchesse pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact. Sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai cette publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour vous décider. Ils ne le croiront pas. Je sais qu'on ne peut pas croire à la fraternité toute une nuit, sans une seule minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patient. Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Pourquoi aurait-il vu la grande duchesse si ce n'est pour demander sa grâce? Elle a fait dire partout qu'il s'était repenti. Comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit.
Yannick a dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour la jeter comme un défi à l'autocratie. L'homme qui a dit cela peut-il mendier sa grâce? Peut-il se repentir? Non. Il voulait, il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il a eu tort de voir la grande. Il en est le seul juge. Selon notre règle, il ne devait pas l'avoir. Notre règle est de tuer, rien de plus. S'il était gracié, quel triomphe! Ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande duchesse a dit vrai, qu'il s'est repenti et qu'il a trahi. S'il meurt, au contraire, vous le croirez et vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Je pars, Moria. Veille sur la vie. La mort, la potence, la mort, encore. Aboria. Oui, petite sœur. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. Celle-là aussi mène à la vie. À la vie des autres. Nos petits-enfants vivront. Les autres. Nos petits-enfants. Et si les autres ne vivaient pas? Et s'ils mourraient pour rien? Tais-toi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Plus jamais nous ne serons des enfants, Boria. Au premier meurtre, l'enfance s'enfuit. Je lance la bombe. Et en une seconde, vois-tu, toute une vie s'écoule. Oui, nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme le font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront peut-être, qui s'autoriseront de nous pour tuer. Dora, est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. Es-tu plus avec nous? Oh, Boria, je suis avec vous. Mais c'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi cela. Et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Il sera gracié. Tu sais bien que non. Pourvu qu'il n'ait pas froid. Voici l'aube. Yannick est déjà mort. J'en suis sûre. Yannick n'a pas trahi. Assieds-toi, raconte. À quoi bon? Raconte tout. J'ai le droit de savoir. J'exige que tu racontes dans le détail. Quand l'a-t-on prévenu? À 10h du soir. Quand l'a-t-on pendu? À 2h du matin. Et pendant 4 heures, il a attendu? Oui. Sans un mot. Et puis, tout s'est précipité. Maintenant, c'est fini. 4 heures sans parler. Quel temps faisait-il? La nuit noire, la neige était sale. Il tremblait? Non. Après? Laisse, Dora. Non, je veux savoir. Sa mort, du moins, est à moi. On lui a dit le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. Une fois seulement, il a secoué sa jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure. Comment sais-tu cela? Tu as tout demandé? Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yannick et moi. Je l'enviais. Après? Stéphane, après? Le père Florinski est venu lui présenter le crucifix. Il a refusé de l'embrasser et il a déclaré « Je vous ai déjà dit que j'en ai fini avec la vie et que je suis en règle avec la mort. » Avait-il l'air heureux? Tu es folle? Oui. Oui, j'en suis sûre, il était heureux. Il a marché calmement à la potence, n'est-ce pas? Il a marché. Il est monté. Il s'est enfoncé dans la nuit. On a vu vaguement le linceul dont le bourreau l'a recouvert tout entier. Et puis, des bruits sourds. Des bruits sourds. Et ensuite, te dis-je, parle, Alexis, ensuite. Un bruit terrible. Il a suffi d'un bruit terrible et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois. Comme il était jeune, il doit rire maintenant. Il doit rire, la face contre la terre. Boria, tu es mon frère. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui. Alors donne-moi la bombe.
Oui, la prochaine fois, je veux la lancer. Je veux être la première à la lancer. Accepte, Boréa. C'était ton tour, Stéphane. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Je la lancerai. Et plus tard, dans une nuit froide... Oui. Yannick, une nuit froide et la même corde. Tout sera plus facile maintenant.